chers téléspectateurs, nous avons pu distraire pendant quelques instants à leurs invités le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, et le maire de Paris, son collègue, le premier maire, le président du conseil municipal de Paris. Et il y a un problème qui a dû frapper le maire de Montréal ce matin en arrivant, c'est le problème de la circulation à Paris. Je sais que ce problème existe aussi à Montréal. Je voudrais que le maire de Montréal et le président du conseil municipal, M. Pierre Ruet, confrontent leur point de vue. Je me permettrai de vous dire d'abord, M. Temerson, que je dois constater que vous êtes un homme extrêmement pratique et que vous êtes dans l'actualité. En effet, il y a un problème de circulation à Montréal qui nous paraît insoluble, mais je peux vous dire, en arrivant à Paris, mon souhait, ce serait, en tant que la circulation est intéressée, d'avoir des rues de la largeur des rues de Paris, et là, notre problème de circulation disparaîtrait. Parce que, vous le savez, Montréal est une ville fondée il y a 300 ans, l'urbanisme, on ne connaissait pas ça, les moyens de transport étaient difficiles, le problème de l'hiver exigeait que les gens vivent les uns près des autres, alors on a dressé à ce moment-là des plans d'urbanisme tout à fait rudimentaires, des rues extrêmement étroites, et qui donnent un charme à notre ville pour le visiteur de passage, mais qui crée vraiment un problème qui nous paraît parfois insoluble. Monsieur le Président, on va peut-être vous dire que nous avons, nous aussi, et très près d'ici, dans le quartier des Halles du Châtelet, nous avons des rues vieilles de 300 ans et nous en avons d'autres qui sont beaucoup plus vieilles. Il est incontestable, messieurs, que le problème de Paris est loin d'être résolu, car je partage l'opinion de ceux qui pensent que si les choses vont leur train, et d'ici un ou deux ans, tous ceux qui servent de leur véhicule devront y renoncer. En réalité, jusqu'ici, Paris a vécu l'expédient. Le premier, c'était la circulation par le contrôle manuel d'une part, par le contrôle des feux d'autre part. On en est maintenant au stade de l'amélioration, non point de la largeur des voies, car elles sont ce qu'elles ont été faites il y a bientôt quelques dizaines d'années, mais également par les moyens des feux. Mais je crois que dans le proche avenir, nous disposons encore d'un expédient. C'est la restriction du stationnement par des moyens de taxation appropriés, et à condition que l'on profite du répit qui nous sera donné par ces moyens pour aménager enfin la seule solution qui, dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes villes du monde, je crois, est la seule capable à l'expérience de donner satisfaction, celle de grandes voies de circulation où le stationnement soit interdit et raccordé, bien entendu, à tous les quartiers importants des cités en cause. Mes chers téléspectateurs, toujours à l'occasion de la visite à Montréal en Yonne du maire de Montréal, Maître Jean Drapeau, j'ai l'occasion d'avoir à mes côtés Son Excellence Monseigneur l'ami archevêque de Sens, qui a fait visiter il y a quelques instants à Son Honneur le maire de Montréal la charmante petite église de Montréal en Yonne. Excellence, auriez-vous l'amabilité de nous raconter quelques souvenirs que vous avez encore en mémoire et qui vous restent par suite de votre passage dans notre cher pays, le Canada? Bien volontiers. J'avais d'abord toujours eu pour le Canada une grande estime et une grande affection, étant élève de Saint-Sulpice. Et nous avions entendu si souvent parler de ces premiers temps héroïques de la fondation de Montréal, de cette épopée du Canada. Et aussi, j'avais pendant mon séjour à Rome pu voir Monseigneur Léger, j'avais pu une fois ou l'autre passer même quelques jours au séminaire canadien quant à la procure Saint-Sulpice. Il y avait un trop grand nombre d'hôtes illustres et qu'il fallait que le jeune étudiant que j'étais alors cède sa chambre à quelque évêque ou quelque prélat. Et puis, il me fut donné à ma première messe d'avoir pour diacre et pour sous-diacre deux Canadiens. M. Olivier Moreau, qui était appelé à devenir un jour recteur de l'Université de Montréal, et M. Roland, qui a dû être vicaire et curé, si je ne me trompe, à Montréal. Et ces deux messieurs étaient très heureux, ayant été toujours étudiants en France ou dans nos séminaires. Ils me disaient au soir de cette première messe leur joie d'avoir pu rentrer dans une véritable famille française, de l'avoir vue de près. Et puis, il y a 7 ans, j'ai eu l'occasion d'aller vers l'Amérique et le Canada à propos d'affaires qui concernaient nos pères de Sainte-Anne, qui ont l'université de Wenisku Park au Vermont.
et j'ai pu visiter Montréal et Québec. Excellence, lors de votre voyage en Amérique, après, outre les villes de Montréal et de Québec que vous aviez eu l'amabilité de visiter et qui, j'espère, vous ont laissé un excellent souvenir, que nous en avons jugé par ce que vous nous avez raconté avec tellement de précision, avez-vous eu l'occasion également de visiter certaines villes américaines? Oui, j'ai été à Washington et puis à New York, et avant de m'embarquer, il m'est arrivé un petit incident qui rappelait le Canada. Je venais de célébrer la Sainte Messe dans l'église de Saint-Patrick. Et je vois s'approcher un brave monsieur qui me demande en anglais, que je ne comprends pas, est-ce que je pourrais avoir la communion? J'en comprends le mot seul de communion, et je lui réponds en français, « Cher monsieur, il faudrait aller au maître-autel, ici on ne donne pas la communion. » Et ce brave homme me dit, « Que vous êtes aimable de me répondre dans ma langue. » C'était un Canadien qui venait d'être très heureux que je lui réponde dans sa langue, et pour une bonne raison, c'est que je ne savais pas l'anglais. Merci infiniment, Excellence, de ces aimables souvenirs que vous avez bien voulu remémorer avec nous. En tout cas, j'ai un excellent souvenir du Canada. Merci infiniment. Et je ne dis pas que je pourrais y retourner, je suis trop vieux maintenant. Nous espérons que vous viendrez une fois. Eh bien, ce sera bien volontiers si je puis le faire. Nous vous y accueillerons les bras ouverts. Merci. Merci infiniment, Excellence. La troupe de la Comédie française a pu donner dans les meilleures conditions matérielles et morales un aperçu en échantillonnage aussi étendu que possible de son répertoire. Nous n'oublierons pas la sympathie agissante de tous nos amis canadiens, leur prévenance, les marques répétées de leur estime et de leur satisfaction. Il y a un an également à Montréal, vous nous disiez, la visite de la Comédie française au Canada, à Montréal, rêve entretenu déjà depuis longtemps. Il nous tardait de percevoir enfin le message de la plus haute tradition de l'art dramatique français. Nous sommes heureux et fiers, monsieur le maire, d'avoir l'honneur de vous recevoir au foyer des artistes de notre grande, vieille et chère maison, avec madame Jean Drapeau, attentive. Tout à l'heure, je ne saurais trop le répéter, nous gardons de ce... Si vous me permettez, je voudrais dire que cet accueil-là ne doit pas rester sans lendemain. Nous attendons M. Maurice Escande et la comédie encore. Que voilà une jolie phrase et qu'elle me fait plaisir.
Ici Charles Emerson qui vous parle de Montréal en France. Un Montréal bien différent du vôtre, puisqu'il ne compte que 2000 habitants. C'est cependant à ce Montréal que M. Jean Drapeau, maire de Montréal, a voulu réserver une visite. Et je vais demander de suite au maire français de Montréal de nous dire quels sont les principaux problèmes qui se posent au maire de Montréal et comment l'on vit dans cette petite cité. Les problèmes qui se posent à Montréal sont des problèmes qui, sur une échelle peu petite, sont à peu près identiques à ceux qui se posent dans toutes les autres communes. Mais tout de même, il y a à Montréal, étant donné l'étendue du territoire et de la culture, qui est essentiellement agricole, il y a des problèmes qui se posent d'une façon très difficile, pour y dire. C'est le problème qui consiste à entretenir pour la mairie tout un réseau de voies de communication pour les besoins uniquement de l'agriculture. Alors les paysans, les agriculteurs ici. Et tout le monde en principe est agriculteur à Montréal. Il n'y a en dehors de cette branche essentiellement agricole qu'une question industrielle, une manufacture de casquettes qui rayonne, on peut dire, plus qu'en France, jusqu'en Europe. Oui, mais nous sommes dans un pays de vignobles et naturellement c'est la culture de la vigne qui... Eh bien, il y a la culture de la vigne, mais la culture de la vigne n'est pas la culture essentielle. Nous sommes surtout un pays de polyculture. Bien. Et le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, vous dirait, lui, que d'innombrables problèmes se posent à lui. Évidemment, gérer une cité d'un 1 500 000 habitants, c'est tout à fait différent. Monsieur le maire, que pensez-vous de cette visite à Montréal? Je dois vous dire que c'est extrêmement touchant, touchant, je vous dis bien, de voir cette foule qui se massait dans les rues de la petite ville de Montréal, oui, et qui nous acclamait. Et comme si nous revenions avec un trophée à leur donner et que nous avions vraiment combattu pour la ville de Montréal et que nous avions vaincu des conquérants menaçants. C'était très touchant de voir les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants qui se massaient à la mairie. Et puis se promenaient avec nous jusqu'à la vieille église qui est un vieux souvenir du 14e et du 15e siècle. Et je dois vous dire que nous avons senti à ce moment-là quelque chose de très particulier. Les paroles dites par vous l'an dernier, monsieur le maire, ne sont pas oubliées dans cette maison. Certaines perfections de votre accueil mériteraient même peut-être la citation formelle, tout comme nous gravons dans le marbre de nos murs les grandes étapes de notre gloire. Ce sont les classiques modernes qui parlent dans notre langue, à des milliers de kilomètres, la vieille mission civilisatrice de l'humanisme et de la culture. Et vous disiez aussi, entre vous et nous, entre la maison de Molière et le Canada, il existe certains liens particulièrement étroits. Notre naissance repose et remonte au même règne, c'est à la même époque, sous les mêmes souverains et avec les mêmes administrateurs que la jeune troupe, et la jeune comédie et la jeune France ont fait leur premier pas. Monsieur l'administrateur, il y a de périlleux honneurs, celui d'être maire de Montréal en étant. Ce n'est pas facile d'exprimer en ce moment les sentiments qui s'emparent de moi, et c'est, je voudrais trouver les accents les plus puissants pour rappeler à mon secours un Cid qui vaincrait cette émotion et qui permettrait de vous faire connaître toute ma gratitude. Vraiment, cette réception est beaucoup plus qu'une réception. C'est, je pense, la contrepartie d'un échange qui s'est commencé, comme vous l'avez souligné l'an dernier, et qui se complète ici. Et cet échange permet en même temps de compléter une œuvre. Nous avons, grâce à la présence des comédiens de la Comédie française à Montréal, gardé après leur départ une bonne partie de leur cœur, j'en suis sûr. Je vous remercie de nous permettre aujourd'hui, à mon épouse et à moi, de rapporter chez nous une partie de leur voix. Thank you.
notre ami Pierre Bourgeois va nous dire quelques mots avant. Monsieur le maire, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec une particulière fierté que le président de la société à laquelle a été confiée la responsabilité d'éditer le répertoire de la Comédie Française vous remet en présence de Monsieur l'administrateur qui veut bien nous accueillir dans le foyer des artistes de la maison de Molière les premiers enregistrements que nous avons réalisés. J'ai su par mon ami Pierre Descaves l'accueil que vous-même et vos compatriotes avez réservé à cette admirable troupe lors de son récent voyage au Canada. Me permettrez-vous de vous dire encore, en vous adressant ainsi qu'à Madame Jean Drapeau, l'expression des vœux respectueux que nous formons pour vous, l'espoir que nous avons que ces documents serviront, selon la formule que vous avez employée vous-même dans ce magnifique discours que vous avez prononcé jeudi, à coordonner tous ces efforts pour la défense et la diffusion des valeurs spirituelles dont, s'il paraît aujourd'hui moins sensible, le monde a besoin plus encore plus d'eux. Je vais demander à Mme Drapeau quelles sont déjà ses impressions de ce court séjour à Paris. Nous allons d'émotion en émotion. Nous sommes ravis d'être à Paris et si le temps nous le permettait, nous serions tout à fait heureux d'y rester beaucoup plus longtemps. Seulement, nous espérons y revenir. Je vous remercie. Monsieur le maire, je voudrais vous demander si vous avez fait ce choix à dessein. Vous avez choisi le site peut-être pour apporter votre hommage à Corneille, peut-être en ce 350e anniversaire de la naissance de Corneille. Je ne voudrais pas avoir le mérite du choix. On a fait le choix pour moi, j'en suis extrêmement heureux. J'étais très très heureux de savoir que je viendrai voir le Cid et que je retrouverai notre excellent ami M. Maurice Escamp, que je me plais toujours à appeler le doyen, puisqu'il était doyen de tournée au Canada l'an dernier. Il était doyen de la tournée, il est le doyen de la Comédie Française. Maintenant, oui, voilà. Mais moi, j'ai une très grande joie à voir ici, M. et Mme Drapeau. Et vraiment... Nous sommes ce soir à la Comédie Française, où l'on donne un classique de Corneille, le Cid, représentation à laquelle assiste Monsieur et Madame Drapeau. C'est dans le foyer des artistes de la Comédie Française que nous les attendons, dans ce foyer où les tableaux, les pièces de collection sont des témoins de la grandeur de cette illustre maison, qu'il s'agisse du tableau par Renoir de tel grand artiste, qu'il s'agisse d'un brevet de pension portant les signatures de Colbert et de Louis XIV datées du XVIIe siècle de 1683, et le voyage au Canada est encore tout récent. C'est sur ce voyage que va insister M. Pierre Descaves, administrateur de la Comédie Française, en recevant M. Jean Drapeau. Au revoir. C'est tellement très bien trouvé, madame. Au revoir. Très heureux. Pardon. Excuse de ce petit travail. Pardon. Vous ne pouvez pas le faire, non? Des comédiens français et de mon cher ami Pierre Bourgeois, directeur général de Pathé Marconi, de vous confier pour Madame Drapeau et pour vous en souvenir de votre voyage, de votre présence, en souvenir de votre accueil. Ces témoignages fixés dans la cire des consécrations du Verbe, elles se nombrent, comme on le dit fièrement, ces consécrations de la plus haute fidélité. C'est un mot d'usage entre nous, français de tous les temps, français de tous les voyages,
au bout des jours naissants et renaissants, d'une clarté dans verbe qui a su universellement exprimer, au-dessus de tout, la grande loi d'amour, d'amitié, des hommes et des comédiens de bonne volonté. Perspicace ami de nos arts et bien fidèle à toutes nos réunions de Montréal. Nous sommes ce soir à la Comédie Française où l'on donne un classique de Corneille, le Cid, représentation à laquelle assistent M. et Mme Jean Drapeau, l'ambassadeur du Canada, Mme Jean Lézy, M. Garneau. Le Cid de Corneille. Fortune de pouvoir y joindre le premier exemplaire d'un enregistrement des discours qui ont été prononcés il y a 48 heures par M. Ruet, président du conseil municipal de Paris, et son honneur M. Jean Drapeau, maire de Montréal. Je sais, monsieur le maire, que si l'on m'autorise à ce vilain genou, et j'ose espérer que vous apprécierez ces documents qui tendent à prolonger la présence de la Comédie Française auprès de ceux